Pour le coup, je trouve que les scénarios du jeu sont assez touchants. Ouais, ils ont été cherchés et tout en vrai. Ils ont été cherchés et tout en vrai. Non, c'est cool. Deux. Néflit a donc donné son badge au team. Maintenant que le groupe Cap n'a plus de boss, sa dissolution est proche. Néflit. Ainsi, tous les boss ont été détrônés. Ce qui signifie qu'ils devraient tous quitter la Team Star tôt ou tard. Ils retourneront bientôt à l'Académie, j'en suis convaincue. Bien wesh, Deuge. Cette voix, c'est toi, Clove? Salut, Cassiopée. GG à toi aussi. Non! Oh mon dieu, la cringitude! Merci, Clove. Deuge, voici ta récompense. Je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. 20 000! Eh putain, mais j'ai tellement de PL, je les ai jamais utilisés. Quel étourdi! C'est Wham qui suis chargé du ravitaillement cette fois-ci, n'est-ce pas? Oui, donne sa récompense supplémentaire à deux, s'il te plaît. Ok. Nous avons enfin atteint la dernière étape de l'opération Stardust. Il ne reste plus qu'une mission à accomplir. Vaincre le Big Boss et dissoudre la Team Star pour de bon. Pas d'inquiétude, vous n'aurez pas besoin de le chercher. Car le cerveau de la Team Star, c'est... c'est moi. Mais quelle surprise! Mais oh là là, on s'en doutait pas du tout, hein! Non mais... Mais attends, mais incroyable, là! Mais comment ça, c'est toi? Et tu vas pas me dire que toi, tu es la petite avec un sac évolué, quand même! Oh! Pardonnez-moi. J'ai longtemps hésité à vous le dire sans trouver le moment opportun. C'est moi qui ai formé la Team Star et tous ses membres sont mes camarades. Ce sont des personnes qui me sont chères et leur amitié est un trésor à mes yeux. Mais la Team Star actuelle n'est que source de malheur pour tout le monde, y compris ses membres. C'est pour ça que je veux y mettre fin. Et pour convaincre mes camarades de partir, je me suis servi de notre code d'honneur. Je t'attendrai dans la cour de l'école, Deuge. Viens de nuit. Et d'accord, j'ai quitté un peu mon rôle de Cassiopée. Clove, ça me ferait plaisir que tu l'accompagnes. Dakodak. Je compte sur vous deux. Bon. Bah après, ça se trouve, c'est même pas l'autre, là. Mais en vrai, ce serait pas étonnant. Eh, en vrai, il va faire nuit, hein. Cassiopée était donc le Big Boss, le cerveau de la Team Star. Et pour tout vous dire, je pense avoir mis le doigt sur sa véritable identité. Nous avons donc rendez-vous... le truc avec ses lunettes, il y a eu un reflet... Regardez, un reflet de lumière, ça me fume. Dans la cour de l'école. Préparons-nous bien et retrouvons-nous là-bas si vous le voulez bien. Bon, allez! On va y aller. Moi, j'y croyais, il était shiny, mais c'est l'ombre. Pas de shiny, hein. Non, pas de... MDR, je ne savais pas qu'il se mettait en Pokéball comme ça. Trop mimes. Trop mimi. Ok. Tin. Ouais, je comprends en vrai, Pasta Box. Moi, Colosseum me manque. Donc bon. À bientôt. Non, j'ai pas trouvé de shiny pendant mon aventure. Moi, je faisais un... Vraiment, je faisais un challenge no shiny. Hein. Vraiment no shiny. Bon, les combats, en vrai, j'ai un peu la flemme de les faire, je vous avoue. En vrai, de vrai... On va juste aller voir... Ah mais c'est un Pokémon. Oh jure, je l'ai pas encore lui. Hein. Ah mais c'est vrai que je peux pas le... Faut que je le batte, je peux pas le Pokéball lui. Il me semble que je l'ai pas encore. Et lui, il m'avait traumatisé dans Colosseum justement. Ouais, t'es en No Shiny Challenge.
Ah, il est spectre. Il faut que j'envoie Noctalie, quoi. Ouais. Bon. Je sais pas qu'est-ce qui lui fait des dégâts en vrai. Psy, ça lui fait un peu ou pas? Bon, ça lui fait ok, quoi. Ouais, mais j'ai pas de type spectre dans tous les cas. Et ténèbres, bah, il est dans mon PC. Donc j'ai un peu le seum. Mais ça va le faire. Ça va le faire. En vrai. Attends, en vrai, qu'est-ce qui est le plus... Ah, les deux font le même dégâts. Nickel, fatal. Ah ouais, non, par contre, c'est pas nickel. Mais qu'est-ce que je fais? Mais oui, je voulais l'attraper, mais en fait... dans ma tête, c'était comme dans les raids. Dans ma tête, c'était comme dans les raids. En mode, fallait que je le mette... Oh là là, bah oui, j'ai pas réfléchi. Purée, dans ma tête, c'était comme dans les raids. En mode, il fallait que je le mette KO pour pouvoir l'attraper. Mais absolument pas, je suis vraiment bête. Je suis bête. Je suis bête. C'est terrible. Bon, c'est pas grave. On aura une autre occasion. On aura une autre occasion. Allez. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Dans ta tête, c'était comme dans les raids ou pas? Putain, je suis deg. J'ai entendu dire que le jeu comportait des gigalades. Est-ce que ça sera patché ou c'est vrai ou pas? Je sais pas. Je ne sais pas. I don't know. On y est là, en vrai, il fait nuit, hein. Ouais, il fait nuit. Attends, on a quitté l'école depuis notre aventure. Yo, Deuj. Bah, Clove. Eh oui, c'est moi, Clove, ton bon vieux pote. Ou pas. Je crois qu'il est grand temps de faire tomber le masque et d'exposer ma véritable identité au grand jour. Tada! Que de surprise, hein. Vraiment, on s'en doutait. Vraiment, je... Ouais, j'en tombe des nues, quoi. Genre, je... Je m'y attendais pas du tout, hein. Non, vraiment, c'était... Je suis choquée, quoi. Clove n'était autre que le proviseur de l'Académie Orange, Clavel. Mais je le savais. Baliverne, mon déguisement était parfait. Quoique, il est vrai que mon jeu d'acteur laissait à désirer par moments et cela n'a pas échappé à votre attention, fichtre. Néanmoins, je vous réserve une autre révélation qui ne manquera pas de vous surprendre. Car le Big Boss... Le cerveau de la Team Star, autrement appelé Cassiopée, c'était moi. Bon, ça, j'y crois pas trop, par contre. Je vous l'assure. J'ai enregistré à l'avance toutes les conversations sur mon radiocassette. Et grâce à un stratagème dont je vous parlerai l'explication, je vous ai dupé, c'est la vérité. Mais non. Attends, ça, vraiment, par contre. Le reveal. Ah non, j'avoue, ça, je m'y attendais pas à ce que ça soit lui, Cassiopée. Je suis un peu dégoûtée, d'ailleurs, mais... Après, c'est vrai qu'apparemment, il est giga fort. Hein. Genre, l'équipe combat, la meuf, elle lui disait... elle lui disait en mode que... qu'il était fort et tout. Hein. Oh, mais tu sais que je crois que je vais me faire défoncer. Hein. Voici devant vous Cassiopée. Non, mais par contre, il est chelou, ce directeur, quand même. On va pas se mentir que le directeur est un peu bizarre, sa façon de faire avec les élèves.
espérer que je fasse avec lui. C'était bien fait d'avoir. Il est fort le Clavel. Il était où le pantalon sur le short? Bah là il s'est carrément changé, ouais. Par contre, je vais galérer avec ces Pokémon, je crois. Hein. Donc là, on fait un combat vraiment contre le proviseur dans la rue. Tout le monde s'en fout. Fatal, c'était pas, peut-être pas le moment de t'endormir. Je me saoule un peu. Je vais envoyer... En vrai, je vais t'envoyer toi. Hein. Bah, même le mode coop, moi j'ai pas eu de bug, hein. Proviseur, il t'agresse sans pression. Tu sais, je suis limite un peu, entre guillemets, déçu que ce soit lui qui a siopé, si c'est vraiment lui. Puis même, genre, dans l'histoire, c'est trop bizarre que le proviseur, il... Je sais pas, c'est un peu chelou, hein. Ouais, non, c'est trop chelou. Léviator. Léviator, il est vol aussi, non? Il est vol haut, non? Si je dis pas de bêtises. Mais ouais, mais j'ai pas mon Pikachu, putain. Bah, putain, j'ai rien contre vol, en fait. Bon, bah, je sais pas. Je sais pas qui envoyer sur Léviator. En vrai, j'ai envoyé une mascarade, mais... Il est pas dragon. Non, je crois pas. Je crois qu'il est juste au vol. Je crois. Bon. Qu'est-ce qu'il y a, King Tom? Tu passes ton bac, tu fais un combat Pokémon contre ta prof de français, là. Imagine. Il est au vol, ouais. Glace. Je vais renvoyer combat, mais il faut que je te soigne, en fait. Ah, quoique, sinon, attends, je mets feu. Attendez, j'ai reçu un message de Uber. Ouais, re-Kix. T'es en week-end, Kix, là? T'es en week-end? Ah oui, bon, c'est ciao. Il a pété fixé, j'ai entendu. Vincent, le lanceur tire un boulet de canon ardent provenant de sa propre armure sur la cible. Cela baisse la défense et la défense spéciale du lanceur. Ouais, par contre, ça fait grave des dégâts. Hein. Je me fais harceler de promo Black Friday. Bah, hésite pas à faire un petit point d'exclamation HyperX et NZXT parce que pareil, il y a des petites promos Black Friday chez les partenaires, les gars. Poltergeist, je sais pas il est quoi lui. En vrai je vais continuer sans changer.
Je sais pas, il est quoi, lui? Vas-y, je vais tester un canon... canon blindé. Wouah! L'animation! Spectre, vu le nom. Ouais. Un goût de blaster de Megaman où je rêve. Ah putain, je suis morte. Le problème, c'est que bah, de toute façon, j'ai pas mon Octalie. Donc en soi... Donc en soi, bon... De toute façon, ça sert à rien que... Je sais même pas qui je vais envoyer sur lui, hein. En soi, on est deux qui dorment en plus. C'est. Attends, acier. Vas-y, je vais l'envoyer. Après, fée, je sais pas trop ce que j'ai pas dans mon tableau de toute façon. Mais mon Dracolo, ses attaques, elles sont nulles. Donc c'est ça en fait qui est chiant, genre. Par contre... C'est un peu chiant là, tous les trucs que j'ai à utiliser sur tout le monde, j'avoue que c'est un peu chiant. Nickel. Un monstre de puissance physique alors qu'il... J'ai pas compris ton message. Ça, c'est la première fois qu'on a du niveau. Encore. Ah bah. Parce que Hydro-que, bon, voilà. Draco-que, bon... Ouragan, bon. Dracocharge, frère, précision, 75, quoi. C'est ça qui m'emmerde, en fait. Je sais pas, Neway, ils ont déjà qu'on a eu des attaques qui ont loupé à 90, bon. On la teste. Hein. J'ai fait évoluer un Draco, Jack. 75 ça touche, hein, il m'a dit. Hein. 75 ça touche. Hein. Je t'avais dit 75 ça toucherait pas. Regarde, je te remontre. Ok, ça a touché. Non mais les gars, je vais pas réussir à faire le combat. C'est sûr, je vais mourir. Je suis pas assez haut level. Je suis pas assez haut level. 75, ça touche, hein. Putain. Si j'avais fait... Que des dracos queues là. Mais ta mère aussi a attaqué en premier, frère. Vas-y, on est où 75, ça touche peut-être. Ça touche une fois sur trois, quoi. Bon. Mais Fatal, il dort, frère. J'ai la haine.
pas contre ton message, Lim. Bon, allez, c'est ciao, ça. Il lui reste combien de Pokémon ? Flamigator ! C'est quoi, c'est l'évolution du... Bah oui, c'est l'évolution, du coup. Il est quoi ? Il est feu quoi, Flamigator ? Feu spectre ? Bon, écoutez, en vrai, on va tester, hein. Mais après, Lim, tu peux prendre les micros sur pied, et ça sera mieux qu'un micro-casque dans tous les cas. Hein. Ouais, tu peux en profiter pour ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai, tu vois, le Cloud 2, je l'utilise en casque. Oh putain, puis en plus, il me fait une... Ouais, non, mais t'inquiète, au pire, Rinchiru, au pire... On enverra Miascarade à la mort pour rappel Dracolos. Qu'est-ce qu'il raconte, Johnny ? Bon, alors que je disais à la mort, c'était pas autant, mais... C'est juste pour Miascarade à la mort, mais bon... Bon, anyways, tu vas tempo un peu. Et après, si 75 avait touché... Après, voilà, quoi. Après, bon... Puis après, si je... Voilà, mais là, c'est pour donner un peu de niveau aussi. Non, mais c'est pour donner un peu de niveau, les gars. J'ai troll pour donner un peu de challenge. Mais c'est pour donner un peu de challenge. Je sais pas pourquoi En fait, j'ai spammé A. Ok, on va faire tout doucement. Rappel. Utiliser. Hop. Ok, en plus... Non, je croyais que c'était une attaque pour ses stats. Johnny, t'as été ban de chez Catsup. Et tu me dis, t'as rien fait, fais attention parce qu'en 2 minutes, je peux le savoir si t'as fait quelque chose. Non, en vrai, type dragon, ça sert à rien. Ça fait combien ? 90. Bon. À tout moment, il me one-shot, hein. Je vais pas perdre contre le proviseur, quand même. Non, mais... J'ai perdu mon premier combat. En plus de ça, il me dépouille. Non, mais alors, anyways, à ta place, je rigolerai pas autant parce que si je suis morte, c'est en partie de ta faute. Donc, à ta place, je rigolerai pas autant. Parce que je suis certaine, anyways, si je t'avais pas écouté sur l'attaque à 75, je ne serais pas morte. J'en suis persuadée. Donc, bon. Alors attendez. OK.
Non, le jeu est pas du tout compliqué en vrai de vrai. C'est juste là, on a troll. En fait, j'ai troll sur un rappel et Dracolos a pas attaqué. Genre, ça m'a rendu ouf. Ça m'a rendu ouf. Bon, on a quoi ici? Qu'est-ce que tu racontes, Renfi? On a quoi là? C'est très bien ça, Dracochoc. CSP. Ouais, et alors? C'est quand même... Je suis sûre qu'il y a un truc qu'on peut remplacer sur lui. Hein. C'est sûr. Je vais regarder. Genre ouragan typiquement. On peut tèche ouragan. Tèche ouragan direct. De quoi, Ren? Je comprends pas là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais Noxané, toi, mais ça n'a rien à voir. Vous êtes bête ou quoi? Noxané, toi, tu t'es fait supprimer ton message parce que tu respectes pas les règles. Ça n'a rien à voir avec Renshiru. Il a le backseat au bord des lèvres. Ah, ok, ok. Ah oui, non, backseat pas, backseat pas. Non, non, non. Je croyais que tu avais un mot qui était banni, que tu pouvais pas dire. Tu m'as dit quoi, toi? Danse, Draco, double volée? Quoi? De toute façon, je peux même pas la faire. Donc comme ça, voilà. Et souvent, les attaques volent. Alors... Vol, elle est stylée quand même. Hein. En vrai. Hein. Bah non, me spoil pas, Renchi. Pourquoi vous voulez me spoil? Des bisous, King Tom. Coucou Destroy, ça va ou quoi? Comment vas-tu? Tu sais qu'on n'a pas de truc sol en vrai. Hein. Si tu mets les restes, comment ça les restes, tu sais pas? Ouais, en vrai, je peux la créer en vrai de vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes, Renchi? T'es trop bizarre, hein. Non mais attends, mais là, mon chat, ça fait 5 minutes, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression de lire un chat, c'est un message codé, mon chat. C'est-à-dire que j'ai des messages, il y a des gens, ils se parlent entre eux, ils parlent même pas du même sujet. Il y a des gens qui essayent de me spoil, mais sans trop me spoil.
Vraiment, je... Qu'est-ce que vous me racontez, là? Qu'est-ce que vous me racontez? C'est surtout les pseudos verts. De ouf! Bah, violet aussi, hein. Mais demande à un de tes modos pourquoi est-ce que tes messages sont bloqués plutôt que de faire des messages codés comme ça. Il y a des modos sur le chat qui te diront quel, enfin tu les contactes en DM. En fait, il faut savoir que Twitch banne des mots dans tous les cas. Genre, il y a des mots qui sont bannis par Twitch. Il y a beaucoup de mots d'ailleurs. Et des fois, ça rentre en collision avec vos messages. Non, en plus de ça, moi, c'est surtout les pseudos violets, là, qui, depuis tout à l'heure, je les perds, là. Je comprends plus rien, frère. Coucou, Kyrium, ça va ou quoi? Comment ça va? Bon. Ah mais pourquoi ça m'a mis fatal? Mais ils sont de ma gueule quoi. Mais putain, mais pourquoi il me l'a pas directement mis sur Dracolos? Ah, ce jeu nul. On va la retrouver là-dedans. Hein. On a Blizzard qui glace aussi. En vrai, je tège Draco queue, non? Ou je tège Hydro queue? Des bisous, Lim! Des bisous. Moi, je l'adore, Dalorix, en vrai. Draco queue, c'est nul, Draco queue. Hydro utile pour le feu. Ouais, mais. J'ai un Pokémon haut en fait, dans tous les cas. Hydro couvre plus de types. Ok, ouais, c'est vrai. C'est vrai, vas-y, je vous écoute. Ok. Attends, mais là-dedans, je peux pas... Je peux pas, genre... C'est chiant, un peu. Trier mes CT. Je crois que j'en ai pas d'autres dragons. Si, avec... De quoi? Ah, avec moi? T'es sûr? Ah ouais. Mais non, du coup. Ah non, ça change rien. Bah non, même par nom, ça les met pas. Bon, écoute.
En vrai de vrai, attends, que je me rappelle de ces Pokémon là qu'on a dû... Merde, je m'en souviens même plus. Mais à un moment, il nous manquait Noctalie quand même. Je pense qu'on peut remettre Noctalie. Je crois pas que Mascarade, elle m'a servi à quelque chose durant... On n'a pas eu de Pokémon où le counter, c'était herbe, si ? On a... Attends. Je sais plus. Fatal, on en a besoin. En fait, je pense que Fatal et Emmeline, on peut en tège un des deux. Hein, en soi. Mais lequel ? Je me souviens plus des Pokémon sur qui on est tombé, les gars. C'est terrible. C'est terrible. Fatal, on en avait besoin pour Psy, je crois. Lui, j'en aurais besoin parce qu'on avait besoin d'un Ténèbre. Fixty, j'en ai eu besoin. Mais il me semble que Miascarade, j'en ai pas besoin. Il avait Gouroutan, Blizzaroi, Léviator. Ouais, Blizzaroi, on l'avait one shot avec Fisty. Ok. Mais il n'avait pas de type sol, Soupa. Ouais, à la limite, j'avoue, je peux te mettre une attaque élec. Je l'ai fait évoluer, Mendos. Coucou Jackie, ça va ou quoi? Mais je crois que Mascarade, j'en ai pas besoin, en fait. Enfin, elle a le type ténèbre, mais en soi, j'ai pas d'attaque ténèbre sur elle. Mascarade trop fort. Mais là, je crois que j'en ai pas besoin. Hein. Parce qu'en soi, Gouroutan, normalement, je pense que je le passe avec Noctali. Blizzaroi, je le passe avec Fixty. Léviator, je le passe avec Fixty, je pense. Non, pas avec Fixty. Qu'est-ce que je dis avec qui je l'ai passé, Léviator, tout à l'heure. Mais arrête de me dire, utilise bonbon XP, toi. C'est pas ça qui pose problème. Si j'ai les bons counters, on n'a pas besoin d'XP. Mais bonbon XP, je préfère les garder pour mon Pokédex. Non, mais frère, depuis tout à l'heure, on est là, on réfléchit et toi, Mathé, mais il est là en mode, utilise bonbon XP. Oh T'as bien que c'est pas le sujet, là. Putain. Ah non, mais en fait... Non, Léviator, on l'avait eu avec Mascarade. C'est pour ça que je l'avais dans mon équipe. Léviator, c'est pour ça qu'on l'avait... Poltergeist, je le passe avec Noctali. Golet, je le passe normalement avec Fixty. Et Flamigator, je le passe avec Dracolos. Du coup, juste, je te rajoute une attaque élec au pire Neways au cas où. En vrai. Attends, on a quoi en attaque élec? Boule élec qui est là? Ah bah t'es même pas apte. Bon bah comme ça au moins c'est fait.
Après, le croco, tu le gères aussi avec Nectali. Non, mais je pense qu'on peut y aller, là. Je pense qu'on peut y aller, en vrai. Bon, j'ai pas besoin de me soigner, mais je me re-soigne. Pam, 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 pam. Je me suis trompée de touche. Mais où est-ce qu'il m'a ramené? Il m'a ramené à l'autre bout. Mais non, Eltia, merci infiniment. Comment ça va? Merci beaucoup. Comment ça va, les Ratus? Comment ils vont? Ça va ou quoi? Ça fait trop plaisir, merci à toi. Je suis en train de rager parce que je suis morte sur Pokémon. Alors que le jeu est quand même assez simple. Mais je suis morte à cause d'un de mes viewers et ça, je ne me cacherai pas de le dire. Moi, j'ai aucune peine pour mes viewers qui me font mourir. Coucou, ça va ou quoi? Coucou la petite abeille du Camélia, comment vas-tu? Yo, yo, yo. Non, mais ouais, c'est de ta faute. C'est vraiment de ta faute. Non mais attends, vu qu'on est plus de nuit là. Ah si, il est encore là. Non, il va pas me dire... Non, ça se trouve, il va me refouler parce qu'on n'est pas de nuit. Yo, Deuge. Monsieur le proviseur. Et non, c'est Clof, ton vieux pote. Ou pas, je crois... Bon, allez, vas-y, c'est bon. Mais ça, on le savait. Coucou, Menoum, ça va ou quoi? Comment vous allez? Vous faisiez quoi chez Ultia, les gars? Incroyable. Bon, allez. On passe, on passe. Aussi du Pokémon. Elle est rendue où? Elle est loin dans l'histoire ou pas? Me spoilez pas tout, hein, les gars. Si jamais elle est plus loin. Et si jamais je suis plus loin, on la spoil pas non plus. Par contre, après le combat, faut vraiment que j'aille faire pipi. Merde, j'aurais dû lancer mon Pokémon en premier, en vrai. Et la one shot. Attends, c'était qui contre lui de base que je devais envoyer? J'ai oublié, les gars. Non, si, c'était... Je crois que c'est Noctali que je devais envoyer. Ouais, c'est Noctali, je crois. Ah, j'aurais dû me mettre dans le bon ordre. Coucou Puni, ça va ou quoi? Ok. Là, j'ai bien loin par rapport à Ultia. Oui, non, mais après, c'est pareil, tu vois, t'as des gens qui ont déjà fini le jeu et tout. Moi, c'est parce que aussi, j'ai fait des giga live dessus. Ces derniers jours, quoi. Il y a ça aussi, hein. Ah mais là je vais m'endormir. C'est ça qui est chiant. Bon, je vais pas faire la même connerie d'envoyer d'autres pendant que je dors et tout, parce que ça aussi ça nous avait fait... faire des conneries là. Les gars, spoilez pas. Et j'ai trop l'impression que vous me faites du backseat de ouf, là. Toto Yuk, je rêve pas ou il y a un giga backseat, là? T'en es qu'à là. Allez, toi, tu prends 10 minutes. L'autre, il me dit t'en es qu'à là et après, il me giga backseat. Oh, c'est Ultia qui vous a éduqué comme ça, là? Je crois pas, hein. Bande de petits mauvais ratus. Ça se voit si vous êtes des ratus dégoût. M'étonnerait qu'Ultia il vous ait dit allez backseat 2, hein. Par contre, je vais me faire pipi dessus, les gars. Vraiment, je rigole pas. Je vais me faire pipi dessus. T'es mal à taille du rat. Oh, je vais giga me pisser dessus, faut vraiment qu'on fasse le combat. Mmh.
Ça va et toi, Momororo, comment tu vas? Allez, lui. Lui, c'est bye bye. Lui, c'est bye bye. T'es plus loin que moi, deux. J'ai du mal à finir ce Pokémon malgré les bugs. J'adore ce jeu. Oh, pareil! Tous les Pokémon, en vrai, je suis pas difficile, cela dit. Léviator. On avait dit on emmenait qui contre Léviator? Je sais plus. Je crois que c'est Miascarade, non? Les gars, j'ai oublié la strat. J'ai oublié notre strat. Et j'espère qu'il va me donner plus d'argent qu'il m'en a volé quand même. En vrai de vrai. Oh, le backseat. Alors les gars, quand je pose une question, c'est je pose une question dans le vide, je me la pose à moi-même. J'attends pas une réponse premier degré de giga spoil. Non mais à un moment je vais dire un truc random et vous allez me giga spoil, je le sens genre. Et vous êtes fous vous hein. Jure c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Putain là, l'élève elle est passée dans le combat frère. Oh, moi, je tryhard pas du tout, Punis. Moi, c'est... Enfin, c'est connu, genre... moi, je suis pas du tout là pour tryhard. Déjà, j'aime pas tryhard les jeux de base, les jeux compétitifs. Mais encore moins tryhard les jeux qui sont pas du tout compétitifs. Genre, vraiment, j'aime pas... Je trouve pas de plaisir à tryhard. Ah ouais, Capsup à matin, mais pourtant on avait dit 17h30, 18h. On a dit 17h30, 18h. Oh. Merde, j'ai rebranché mon tel alors qu'il est à fond. Oh my god. Allez, Oust. Elle nous a brûlé tous les dents en plus. Je vais me pisser dessus par contre. Des bisous Kix. Golé, on avait dit quoi? Golé, oh bordel, je me souviens plus. Golé. Mais je crois que je laisse lui, non? Ah ouais? J'envoie Fixty? Ok. Moi, je sais plus. Moi, je le kiffe, Arizona. Je kiffe ce jeu, mais juste, il est pas très beau. Mais sinon, moi, je kiffe le gameplay de fou. Même l'histoire et tout, les trois histoires parallèles et tout, j'aime bien. En vrai, j'aime vraiment bien. J'aurais pu le one-shot quand même. Oh, la brûlure. Ah, voilà. Là, c'est mieux. C'est vrai que le design des Pokémon est beau en vrai. Enfin, ça dépend. Genre là, je t'avoue que c'est pas le meilleur exemple, mais ça va quoi. En vrai, je pense que je vais envoyer Fatal au début, et après on enverra Dracolos.
Wendy, t'es là ou pas? Ah, je sais pas si ça a déjà été fait. Un des modos là, est-ce que vous pouvez ban le gars qui disait qu'il était ban chez Catsup? Parce que du coup, on vient de savoir pourquoi est-ce qu'il était ban chez Catsup. Vous pouvez le ban ici aussi. Hein. Vous pouvez clairement le ban ici également. Mais en plus, il est pas très intelligent parce qu'il est vraiment venu... Bon, fatal. Fatal, merci pour la participation. Il est vraiment venu en disant... j'ai été ban chez Catsup. Genre, il s'est pas douté que... Catsup et moi, on se connaît pas du tout, tu vois, genre... Ah, je sais pas, c'est... Ouais. Oh non, vas-y. Oh bah oui, bah elle, d'accord. Elle est sortie du Pokémon, carrément. Oh, bordel. Mais attends, mais ça... 90. Mais tu sais que... En vrai, on va avoir un peu de mal, parce que... Ouais, voilà, là, je vais être obligée de popo, je pense. Je me tâte. Est-ce que je rattaque? On le met KO. On envoie un autre. On lui met un rappel. On le renvoie. Ou est-ce que je lui mets une popo? Ouais, non, je vais le soigner, j'avoue. Sinon, je perds du temps, en fait. Attends. Ah, elles sont là, mes potions. Ouah, j'étais perdue, du coup, vu que c'est plus dans le même ordre. Attends, mais normalement, c'est... Ouais, je sais pas. C'est par quoi, d'habitude? C'est par favori? Catégorie? Ah, c'est par catégorie, ok. Non, je crois que j'ai pas la bonne terra cristallisation sur lui. Ouais, non, ça sert à rien. Bon, bah, ok. En fait, j'avais pas besoin de le soigner, quoi. Yo, Faror, ça va ou quoi? Le coup critique qui carry. Putain, mais du coup, ça voudra dire on fait pas la ligue aujourd'hui vu que... Ah ouais, non, j'aurai jamais le temps. Merde, je vous ai fait un titre putaclic alors. Mademoiselle Deuge, vous avez grandement progressé au cours de votre chasse au trésor. Veuillez m'excuser. Je ne suis pas Cassiopée. Ah ben voilà! Mais je savais! Je m'en doutais que c'était un mensonge! Et vous alliez me faire croire que c'était Clavel! Mais je me disais, c'est trop bizarre quand même! Ah, oh, ma première intuition était la bonne quand même! En revanche, Clove et moi étions bel et bien la même personne, vous pouvez me croire. J'imagine que vous vous demandez maintenant quelle est la véritable identité de Cassiopée. À dire vrai, j'ai ma petite idée sur la question. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussée à venir. Je voulais vous épargner un affrontement difficile. Je ne voulais pas qu'à l'issue de votre combat, la tristesse de Cassiopée devienne votre fardeau. Cependant, sa décision est prise et cette dernière est irrévocable. Nonobstant, j'avais des doutes sur les capacités d'une simple élève à relever tel défi. C'est pour cette raison que je vous ai provoqué en duel, pour vous tester, et pour décider à qui de nous deux incomberait la lourde tâche d'arrêter Cassiopée. Qui sait, votre extrême gentillesse pourra peut-être sauver votre pauvre camarade d'école. Un proviseur ne devrait pas imposer une telle responsabilité à ses élèves, mais je vous le demande. J'ai encore un combat, là ? Merci infiniment. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Qu'est-ce qui se passe ici? Taïm,
Madame Taïm, quel plaisir de vous voir. Madame Taïm, j'ai été à votre seul cours. Hein. Plaisir non partagé. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, monsieur Clavel? J'ai entendu dire qu'un combat avait lieu au sein même de l'établissement, et que vois-je? Le proviseur en personne qui se bat contre une de nos élèves? N'avez-vous pas honte? Il y a méprise, madame. Il n'y a pas du tout méprise, hein. Voyez-vous, il y a une explication tout à fait rationnelle. Ne faites pas le gris malin avec moi, monsieur Clavel. Le gris malin, mais je... Le Big Boss vous a donné rendez-vous dans la cour de nuit, n'est-ce pas? Dans ce cas, allez-y, le destin de notre jeune SEP est entre vos mains. Oh non, je vous en prie, Non, par contre, il fait genre, mais il m'a vraiment bolos, hein. Il m'a vraiment bolos, par contre. Mon ref, on va pas... On va pas se mentir. Hein. 1h30, un cycle jour-nuit. Ah ouais? Bon bah, écoute, dans tous les cas, comme ça au moins... Comme ça, au moins, Katsup, elle a pas besoin de nous attendre très longtemps. En vrai, ce qu'on va faire, c'est... Ouais, j'avoue, je vais pause Pokémon. On va aller sur le jeu avec Katsup. Enfin, je pause Pokémon. Je vais aller faire pipi. Je vais me remplir de l'eau. On part sur le jeu avec Katsup. Et en voyant l'heure à laquelle on finit le... Enfin, on finit avec Katsup quand on en a marre de jouer. Peut-être je rejoue à Pokémon ce soir. Sinon, demain. Avant la suite du live avec Katsup. Voilà. On va faire ça. Ouais, on sera en coop avec 4 là. Abusé comment je fais tellement pas confiance à Cassiopée. Ah ouais? Non, ça va, moi, Cassiopée, je l'aime bien. Mais bon, je sais déjà qui c'est. Hein. Faut pas se mentir. Hein.